Alors, chers amis, moi j'ai terminé la première manche. Alors, on va mesurer pour voir ce que ça donne. Je crois que j'ai dépassé un peu, bon, disons 17 cm. Donc, je fais là, je fais 17 cm. Bon, c'est pas grave, on avait dit 14 à 16 cm. J'ai dépassé d'un peu près de donc 1 centimètre. Alors donc pour la suite, donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour la manche, on va faire 17 cm, toujours on augmente de 38 mailles et on fait, donc, je vais voir si on va voir ça après, termine d'abord. Donc pour cela, donc je vais rabattre, je vais arrêter les 38 mailles que j'ai augmenté au début. À la main, donc on glisse une maille, on rabat la première, on tricote la deuxième. Donc, on va diminuer 38 mailles. Parce que j'ai oublié mon crochet. Normalement, j'allais diminuer les mailles avec un crochet. Je trouve ça plus facile. Et plus rapide. Donc, comme j'ai pas mon crochet avec moi, alors j'ai diminué avec mes aiguilles. Donc, on va diminuer 38 mailles. Donc je vais laisser 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc les 5 mailles du côté du col, du cou. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Donc, je vais laisser 19 mailles. Donc là, je vais tricoter mes 19 mailles. Okay. Donc
Et si j'avais laissé 5 mailles en attente, je récupère les 5 dernières mailles. Voir le résultat. Donc, ça nous fait une manche. Et donc là, nous avons le premier demi devant ou bien demi tour. Et là, nous avons la première manche. Donc, vous voyez, au niveau des poignets, c'est un peu serré. J'ai voulu que ce soit comme ça. Tout cela, ça change un peu. Alors là, je repars. Je repars sur rangée. Alors, ce que je vais faire, donc je plie un manche en deux. Voilà. Ceci, parce que j'ai mangé un peu mal au dos. Donc, je plie la manche en deux. Et ce que je vais faire, donc, je viens récupérer les mailles que j'ai laissées en attente sur mon arrêt de maille avec mon aiguille. Et voilà, je récupère une maille. Je suis sur l'endroit et je vais tricoter les 34 mailles. Voilà, donc je me retrouve avec les mailles du début, hein, les mailles de ce premier, de ce côté-ci. Alors, pour ce côté, on va refaire la même chose qu'on a fait au début. Donc, on va tricoter les rangées, le rang raccourci qu'on a fait au début. Donc, je le refais avec vous. On va refaire les premiers rangs avec, on le refait ensemble. Alors, première rangée, on tricote 34 mailles, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 33.
33 et 34 mailles. Ici. Donc, je tourne le travail. Je passe une fil devant. Je glisse, je tricote par la première maille. Je repars sur les 34 mailles. D'accord? On repart sur les 34 mailles. Donc, je me répète un peu pour cette partie. Donc, on va refaire les premiers rangs, les rangs raccourcis. Donc, pour faire simple, vous pouvez prendre des notes, comme ça vous n'allez pas vous perdre. Quand vous serrez sur le côté de la manche, on termine, je tourne mon travail, je tricote 34 mailles. Mailles, je vais prendre 19 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, et 19. Et comme toujours, il me reste 5 mailles sur mon aiguille de gauche. Je tourne le travail, je repars sur toutes les mailles, je glisse la première, je la tricote pas, fait. Je termine toutes mes mailles, je retourne le travail, je vais repartir sur toutes, cette fois-ci, je tricote toutes les mailles à l'endroit. Donc 34 mailles plus 19 mailles, je tricote à l'endroit.
Je récupère 5 dernières mailles. Termine. Je retourne au travail et je tricote toute la rangée à l'endroit. Comme vous pouvez voir, c'est très facile. Là, on a terminé la première partie. Donc, après la manche, on va entamer la partie du dos. On refait, je vais me répéter, on refait les mêmes ronds qu'on a fait au début. Donc, on va le refaire sur cette partie. Donc, c'est cette partie qui va venir couvrir le premier devant. Donc, soit ça sera considéré comme le dos ou bien le devant. Alors, excusez-moi, tant que je me détends un petit mal. Donc, on refait cette partie. Donc, je vais refaire la première rangée avec vous. Et pour la suite, on va faire. On va travailler ces rangs. Et on fait donc la première rangée, 34 mailles. On tourne le travail. On revient sur les 34 mailles. On fait 34 mailles plus 19 mailles. On tourne le travail, on revient sur les 19 mailles plus 34 mailles. On repart sur 34 mailles plus 19 mailles plus les 5 dernières mailles. On tricote toute la rangée à l'endroit et on refait l'opération sur toutes les mailles. Donc, faire la première rangée avec vous. Comme ça, vous n'aurez pas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, ça me fait 34 mailles. Je tourne mon travail et je repars sur les 34 mailles. Vous allez répéter ces rangées.